Ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je vous présente Rosemary et Babette. Alors, on nous a appelé ici pour des phénomènes très étranges dans l'appartement de... Audevard Rosemary. Rosemary. Oui. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Audevard Rosemary. Voilà. Donc, on va y aller. On va essayer de faire l'enquête à fond, parce que cette dame a dû quitter précipitamment l'appartement. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure en direct. Et il y a des phénomènes bizarres qui s'y passent. Je vais laisser la parole à Rosemary. Voilà, elle va nous expliquer exactement ce qui se passe dans l'appartement. Allez, on t'écoute. Ben voilà, je vous explique. J'ai aménagé dans cette maison en vitesse. Car j'ai dû déménager des blooms contre ma volonté. J'ai pris cet appartement pour ma petite fille, parce qu'on n'était pas loin de la crèche et tout. Mais j'ai remarqué, après un tout petit bout de temps, qu'il y a des phénomènes bizarres qui se produisaient. Comme je vais vous expliquer, vous êtes comme congelé. Vous êtes oppressé. On ne sait pas dormir des nuits complètes. Pour le peu que je dors, je suis figé dans mon lit par des phénomènes surnaturels. Paranormal. J'ai ma petite fille qui dormait dans ma chambre. Un jour, s'est mis à faire des bonds dans son petit lit. J'avais d'ailleurs jamais vu ça. Je l'ai pris dans mes bras. Il était vers 10h30. Je l'ai pris dans mes bras. Je me suis mis dans mon fauteuil. Ma petite ne savait pas encore parler. Elle me regardait. Elle me dit « Mamie, je vois un wou-wou. » Donc, pour ma petite fille, c'est un chien. Donc, je lui ai demandé de faire montrer avec son petit doigt où est-ce qu'il était le wou-wou. Donc, elle m'a fait montrer la cheminée. Donc, comment je pourrais dire ça Elle avait vu une apparition, en fait. Oui. Une apparition. Mais elle faisait des bonds dans son lit que jamais j'avais vu ça, quoi. Je sais bien qu'il y a des enfants qui font une petite crise comme ça, qui ne veulent pas dormir, mais là, c'était vraiment pas normal. Donc moi, des nuits complètes, je ne dors pas. Pour peu que je le dors, je fais des cauchemars vraiment inouïs, que je me fais agresser. Je m'en rends compte quand je dors, pour le peu que je dors, bien sûr. Et je ne sais ni bouger, ni crier, ni me lever. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on me fait du mal. Et j'ai des fois senti quelque chose sur mon lit. Et une fois, j'étais éveillée, vraiment éveillée dans mon lit. J'ai ma couette qui descendait tout doucement au bout de mes pieds. Et on m'a dit que je devais faire semblant que je n'avais pas peur. Et leur dire « foutez-moi la paix ». Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté de retour mon édredon qui repartait aussi vite vers le fond de mon lit. Donc là, la peur au ventre, je me suis levé. Donc j'ai essayé de garder la télé ou de me changer les idées. J'ai reçu aussi, donc après j'étais à l'hôpital, je faisais une dépression. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai un ami qui me donnait un coup de main. Et il a vu des phénomènes bizarres aussi. Il s'est vu dans le mur. Il a vu des choses. Et quand je suis revenu de l'hôpital pour venir chercher mon nécessaire, mon stand à linge, au moment où je veux m'asseoir avec mes amis pour boire ma tasse de café, s'est carrément jeté à ras de mes pieds. Donc là, tu parles bien de poltergeist. Des objets qui volent, qui se déplacent. Ah oui, oui. Et tout ça. Tantôt, tu m'en parlais de chaises superposées. Oui, mais je vais d'abord.
De quelle manière? Oui. Ben, c'est d'une manière que vous savez, vous savez même pas le faire vous-même. D'accord. Mon bon. Ami a les photos. Mise sur la table, et pourtant des lourdes chaises, hein. Sur la table. Sur la table jusqu'au plafond. Elle a fait le petit mot. D'accord. Une fois, je suis allé chez moi. J'ai fait bénir la maison et tout, mais apparemment ça n'a rien fait. J'ai vu un spécialiste à tourner qui n'a pas voulu voir ce qui se passait à la maison. Il m'a dit que je vais mettre du sel, faire bénir la maison et de prier Saint-Benoît et de mettre une croix à Saint-Benoît. Mais avec tout ce qui m'est arrivé, je n'ai plus osé rester dans la maison. Donc ça fait plusieurs... Allez, ça fait plusieurs maisons que je fais. Mais je vais... Oui. Une fois, je rentre chez moi, toujours avec un ami qui est témoin, je passe tout près de mon buffet sans le toucher. En fait, c'est un... Un rebord. Voilà, une corniche de buffet. Oui. Donc, j'ai la... La corniche qui est tombée. J'ai la corniche de buffet qui s'est jetée sur moi pendant qu'un ami me faisait un café dans la cuisine. J'ai juste eu le temps de faire ça avec mon bras. D'ailleurs, j'étais tout bleu. Et j'ai laissé cette corniche telle qu'elle est à terre. Elle est dans l'appartement, elle est encore par terre. Hein. Ouais. On a vu par terre. Je l'ai laissée là. Je l'ai laissée là, telle qu'elle est. Ce que j'ai eu aussi, entre deux, ici, j'habite chez un ami. Je lui ai dit que j'allais aller chercher ma carte dès là, parce que je dois aller des fois aller pour mes papiers ou un papier important. J'ai voulu aller dans ma verrière. J'ai un gros verre à gouttes, alors épais comme ça. Au moment où j'ai mis ma main pour prendre ma carte dès là dans ma verrière, le verre a carrément explosé. D'ailleurs, j'étais même blessé. J'ai même laissé le sang qui reste sur le buffet. Je n'ai rien frotté du tout. Depuis ce temps-là, je vais vraiment au minimum. Donc j'habite à droite et à gauche depuis 2 ans. Et au logement, ils savent très bien qu'il y a quelque chose chez moi. Ils se sont déplacés, ils ont fait des photos. Et je ne peux pas en parler à personne, car ils ne pourront plus louer l'appartement. Ah ben oui, bien sûr. Et j'ai une... Je les ai enregistrés, parce qu'ils ne veulent rien faire pour moi. Mais je ne souhaite pas que quelqu'un ait la même chose que moi. Voilà. Que ce soit une personne avec enfant ou sans enfant, cette maison est malsaine. Et je ne veux pas que ça se passe comme ça. Que ça soit renoué à quelqu'un d'autre. Et quand vous êtes rentré dans la maison, on ne vous a pas parlé qu'il y aurait eu quelque chose avant? Non, non, parce que... Bah non, la preuve est pas dire. Parce que quand on a fait quelques photos, c'est comme ça... C'est allouable sinon. Qu'on a remarqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que j'arrivais pas à dormir. Carrément, même pas une seule minute. Il fallait 3-4 jours avant que je sache dormir. Pas moyen de me réchauffer. Et des agressions dans la nuit. Et une apparition dans ma maison d'une personne que je connais dans ma salle à manger. Ah, d'accord. Et c'est vers quelle heure que ça se passe, le phénomène? Ces phénomènes se passent toujours entre 11h et 3h du matin. Ah, d'accord. Mais je peux aller quand je veux. Même la journée, il se passe quelque je chose. Suis oppressée. Je suis oppressée, j'ai une boule, je grelotte, je suis congelée et je suis vraiment oppressée. D'ailleurs, je vais vous dire, depuis ce temps-là, j'ai perdu 15 kilos et je n'en vis plus. Et j'ai... appelé une fois la dame dont sa fille habitait juste avant moi. Je lui ai envoyé des photos de ce qui se passait sur les murs. Cette fille n'a jamais vu ça. La dame a été étonnée. Elle s'appelle Marie,
cette dame, donc je n'ai pas encore la contacter. Et elle m'a dit, maintenant je comprends pourquoi ma fille ne se sentait pas bien dans cette maison. Donc elle ressentait déjà les phénomènes à l'époque. Oui. Voilà les amis, après ce petit débriefing, assez troublant je trouve, nous parlons donc de phénomènes poltergeist, des entités actives et peut-être même démoniaques. Je ne vous ai pas mis la totalité de ce débriefing, mais vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook, dont le premier repérage de cette maison. Nous allons quitter le lieu du débriefing pour se retrouver donc à la fameuse maison. À très très bientôt pour le début de l'enquête, les amis. Donc voilà les amis, on est dans l'appartement, on est totalement dans le noir, on va faire une séance de spirit box, donc l'enquête commence maintenant. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Elsa, Sacha. Sacha. Vous vous rendez pas, ça ne va pas marcher. Tu t'appelles Sacha? Est-ce que quelqu'un connaît Rosemary ici? Rosemary? Thank you.
Quelqu'un qui sait dire ton prénom, moi, s'il te plaît. Décédé dans cet appartement.
ici dans cet appartement. S'il vous plaît, voir si c'est bien vous. Retouchez-le. Allez, venez. Touchez le cadeau. Cadeau rouge. On est refait ça. La petite lumière verte. Donc je répète, il n'y a plus d'électricité, ça a été coupé au compteur. Les téléphones sont en mode avion. Il est parti. Encore, refaites-le encore. Refaites-le encore une fois, s'il vous plaît. Merci déjà. Oui, merci. Refaites-le encore une fois. Allez-y, n'ayez pas peur. Ah, merci. Un peu plus fort. Un peu plus fort, merci. Est-ce vous qui avez fait activer le K2? C'est l'appareil que tient Luigi dans sa main droite. Luigi, c'est l'homme avec la casquette blanche. Merci. Est-ce que vous préférez communiquer avec le cardule, avec la box? Répondez. Faites clignoter si c'est oui. Vous l'avez fait plusieurs fois, donc vous avez l'énergie pour. Allez-y, s'il vous plaît. Avez-vous des choses à manger? Approchez. N'hésitez pas. Je vous dérange. Honnêtement, je
amusez-vous pour une fois. Non, non, plus fort. C'est l'occasion. Ah ouais, c'est l'occasion rêvée, là. Si vous voulez parler, c'est maintenant. Si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai. J'aimerais déjà savoir à qui j'ai affaire. Demande si c'est pas ta belle-mère. Tu me connais sur mon surnom, Nénette. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. À moi ? Ferme ta gueule, moi j'ai entendu. Ferme ta gueule. Un nom d'homme. Une voix d'homme. Ferme ta gueule. Est-ce que tu peux dire ton prénom ? T'es qui pour me dire ferme ta gueule ? Mais non, non. Ne dis pas ça. Je m'excuse. Ne dis pas ça, Jean-Marc. Vous êtes bien présent ce soir avec nous. Dis-nous un prénom de celui qui est dans l'appartement de vivant. Comment je m'appelle, moi ? Oh, merde. Et je m'appelle comment ? Est-ce que tu pourrais donner un prénom qu'il y a sur l'enveloppe ? Qu'il y a dans l'enveloppe ? On va arrêter la séance de Spirit Box. Ouais. On va faire une chose d'Obélix, hein. Ouais. Merci. Équipe. Faites marcher le K2, s'il vous plaît. Non, et tu vois, c'est pas la ma caméra. C'est pas ma caméra non plus. Non. Il était dans le fond. Faites marcher la petite boîte ici, allumez-la, s'il vous plaît. Fais voir que t'es là, on sait que t'es là, de toute façon. On t'a vu. Est-ce que vous êtes l'ex-belle-mère de la locataire? Si oui, touchez le K2. N'hésitez pas. Merci. Ah, oh, putain de Dieu. Arrêtez. Non. C'est quelque chose que penser. Quoi, passé, la voiture, tu penses que... T'es fou. Non. C'est belle maman qui est là. Tu sais pas le réinitialiser, ça, hein? Bah non. C'est toi, belle maman. Est-ce que c'est la belle-mère? Si c'est vous, retouchez l'appareil. C'est quelqu'un de la famille? Est-ce que vous êtes ici?
pas ici. Ça peut le faire aller, mais ouais. Ben ouais, c'est sûr. Ouais, bon. Pour moi, il est parti, là. On va faire une petite séance Bed of Velux. On se le met ? Vas-y, ouais, lance-le, vas-y, vas-y. Ouais. Lance-le. Je le mets là pour que tu le filmes. C'est neuf. Non. À mon avis, c'est peut-être le téléphone. Bah, ouais, fait, bizarre hein. Quand même. Hein. Ouais, ouais. Bah, non, s'il est en mode avion. Ah, il est en mode avion. Mais bon, sur le téléphone, bah, vraiment, il fait toujours dans le rouge, donc ça. Travail. Travail. Bah, on travaille là sur quelque chose. Mais on travaille. Est-ce que tu nous vois ? Combustible. Tu sais quoi, j'étais en train de penser à dire qu'est-ce que j'ai dans les mains. Et tu sais ce que j'ai dans les mains, mon briquet ? Et il dit combustible. Oh, putain. Maintenant, je sais pas si c'est ça. L'eau. Ça répond pensée ou sûr. L'eau. Ouais, ouais. J'allais dire qu'est-ce que j'ai dans les mains. T'es connecté sur Internet, là ? Non. Ah non, il a coupé le réseau. Parce que, gars, la petite lumière. Lester. Lester. Ouais, je le vois, bah ouais, je le vois pas là. Ouais. Non, j'ai mis en mode avion. Moi, je suis en mode avion aussi. Ça va. Est-ce qu'on peut savoir ton prénom, s'il te plaît ? C'est mamie ? Une fois pour oui, deux fois pour non. Est-ce que c'est la belle maman ? Enferma copyright. Enfermé, ouais. T'as enfermé quelque part ? Bouché. Tu sais pas sortir ? Pittoresque. Oxydé. Est-ce que vous êtes décédé ? À copyright, écoutez le silence. Écoutez le silence. C'est ce qu'on fait, on PVE. Écoute le silence. PVE. Mmh. Pense. Abstention. Abstention. Ouais, voilà, ils abstiennent de parler. Essayez de nous dire quelque chose de concret. Un prénom. Un prénom, oui. Est-ce que c'est la belle-mère de la locataire, s'il vous plaît ? Touchez le K2 encore une fois, pour être sûr que ça chanteur. Soit vous. Chanteur. Hallucination. Hallucination. Chanteur, hallucination, feu, eau. La locataire hallucine ? Amasser. Qu'est-ce que vous voulez qu'on amasse ? Des preuves ? Sylvestre. Sylvestre. Qui est Sylvestre ? Da copyright, cra copyright, ta copyright, bannir. Bannir. Bannir Sylvestre. Sa copyright Zan. Zan. Je connais un Zan, mais... Qui est Zan ? Picoté. Picoté. Quelqu'un qui picote ? Ramasser, picoté. Chasselet. Chancelé. Ta copyright chargée. Chargé, enfin. Chancelé qui ? Chancelé, ouais. Chassé qui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dérange ce soir ? Est-ce que je dérange ? Madrid. C'est à l'ouest, Flamme et de l'asphalte. Touchez le K2 si quelqu'un dérange. Flamme et de l'asphalte.
Ça va. Ou le pod qui se trouve dans la chambre. Sinon, c'est ça que je dis. C'est urgence. Urgence. Je vois pas, je lis pas d'ici là. Où est l'urgence? Choquant. Concierge. Concierge? Je n'ai pas de concierge ici. C'est moi. Ah, toi, ouais, t'es moi. Ouais, c'est juste. C'est bien. Choquant, pourquoi? Mauvaise maladie. C'est la fin des haricots. Ah, qui a. Oui, c'est la fin. Qui a une mauvaise maladie? Il dit pas de nom. Puisse. Puisse? Puisse, oui. Qui puisse survivre, oui. Non. Apostrophé. Apostrophé. Il n'y a personne d'apostrophé ici. Il va chercher le c'est l'herbe. Tu veux tourne des noms comme ça, c'est pas. Que voulez-vous dire? Agression. Qui va se faire agresser? Ou qui s'est fait agresser? Personne qui a une griffe? Non. Pas encore. Jusqu'à maintenant, non. C'est moi qui vais me faire agresser? Après, j'ai une mauvaise maladie, moi j'ai le diabète. Ben, moi aussi, j'ai de l'orphelin. Bienvenue au club, moi aussi. Mmh. Vous voulez que je cite? Putain, je pète la forme, oh, merde. Non, 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 non. On en a jusqu'à demain, alors. Clientèle. L'heure. L'heure. L'aptitude minime. Leurs aptitudes minimes. Je dis je pète la forme. Notre aptitude est minime. C'est ça que vous voulez dire? Georgie. Georges. Georges. Connais. Connais pas. Ouais, c'est bon, il me gonfle avec ces trucs à la mont-molleux là. Dis-nous, bah ouais, des trucs concrets. Bah ouais, c'est ce que je bah dis. Bah ouais, comment tu t'appelles? Tu nous trouves des noms du dictionnaire, on connaît même pas, il sait pas dire un prénom, mec. Qui est présent ici avec nous? Tannage. Tannage. On est là, c'est pour vous, hein, nous, après, on se bat, hein. Holocauste, hein. Holocauste, oui. Au-dessus. Au-dessus, ouais. Ouais. Tronc arbre. C'est marrant qu'il nous tient. Au-dessus, il y a du bruit au-dessus. Ouais. Ouais. Tronc d'arbre. Tronc arbre. Il y a le parc à côté. T'as l'air de jouer à une vidéo aussi. Ouais. Même sylvestre, hein, c'est des plantes à la base. Tu veux rien nous dire? Ouais, voilà, si c'est ça. Là, tu veux rien nous dire? Après, on est parti, ce sera fini, tu pourras plus t'exprimer. Je sais pas si vous le savez, après on va purifier l'appartement. Hein. Ruine. 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 Ah, ruine. Ruine, c'est abandonné, c'est vrai. Bâtiment, ruine, ouais, bâtiment. Ruine aussi. Hein. Ruine, ouais. Est-ce qu'on est sur un ancien cimetière ici? Dans les années 48-50? Gaz. Ça, c'est Hitler. Oron. Alibi. Ils sont à côté pour regarder les colonies. Quel est votre prénom? Dites-le. Balayer. Support. Dites votre prénom, maintenant, qu'on sache à qui on a affaire. C'est vrai, on aime bien. Vous avez peur de le dire? Bah vas-y, dis ton prénom au moins. C'est bon, il m'a souligné. C'est après, on va partir, sois sympa. On va plus t'exprimer. Hein. Ah, c'est ça, on est là pour vous écouter à la base. C'est hein. Fini. Écoutez, aider si possible, comprendre. C'est le moment de discuter, hein, tous ensemble. Il y a une chose qui n'a pas été accomplie, soi-disant. Plus, frac copyright, nerf solide, envergure. Oui, ça, le nerf solide, on les a. Ben moi pas, je disais pas solide en ce moment. Hein. Pleurer la faim, grand. Pleurer la faim. Hein. Ouvrir. Ouvrir. On voudrait vous ouvrir le bon chemin. Mais comment le faire? Comment le savoir? Ton nom, s'il te plaît. Bab Cheron. C'est quoi ce bruit? On est tous flic. Ici. Flic? Là derrière. Bah ouais, y'a personne derrière là-bas. C'est celui-là. Ah ouais. Il m'a fait peur, lui. Bah écoute. Il a fait les 5 clics descendre la voiture. Eh oui, même le flic, il se fout de moi.
Dis-moi ton nom. Tu peux le faire. Après, bon, ce sera plus fort Spirit Box, je pense. Ouais. Ouais, si c'est, si c'est, j'aurais c'est fait ou pas? On est fort décollé quand même, le trône du temps. Là, tu peux compter dessus, c'est plus un Spirit Box. On le fait au cas où. Moi, ça me gonfle, moi. Parfois, c'est concluant, parfois, il est carrément à côté de la plaque. Les trois heures du temps, c'est à côté de la plaque. Ouais, c'est deux heures, il nous raconte des conneries. Bah ouais, c'est toujours la même chose. Je vais dormir ici. Chaque pièce est chargée différemment, on peut très bien sur une autre pièce. De toute façon, il balade, il va où il veut. Bien sûr. Bah ouais. Mais s'il ne peut pas aller, il viendra ici. On est là. Voilà les amis, comme vous avez pu le constater, nous n'aurons eu aucun résultat avec l'application Ovilux. Nous allons essayer de refaire une séance de Spirit Box, mais nous allons également changer de pièce. Nous allons aller dans la chambre où apparemment il se serait passé beaucoup de phénomènes étranges. Mais jusque maintenant, c'est très calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la chambre? Est-ce que tu peux toucher l'antenne? Regarde, je vais te savoir. C'est inoffensif. Tu vois les lumières? C'est rien pour nous savoir si tu es avec nous. Tu serais touché s'il te plaît? C'est rien que pour savoir que tu es là, sans plus, ça fait rien du tout. On sait que tu sais le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui dérange? Je suis dans ma chambre là. Est-ce que je te dérange? Thank you.
sol, mais loin. Ouais. C'est pas compréhensible. Tu peux te rapprocher, s'il te plaît. Si dans deux minutes tu parles pas, on va partir, hein. Vous êtes Qui vous êtes, non? Ouais, c'est pas.
qui vous êtes, j'ai compris. Oui, vous êtes. Vous êtes. Ça peut être tout, mais... Ah, bon. Vous savez, après l'analyse, Bah, c'était possible qu'ils nous parlent, mais nous, on a... Ah, non, mais à soir la vidéo, on va entendre plus de prénoms. Ben, maman, tu veux pas me parler? Qui est assise en face du code? En face de l'appareil. Qui est assise devant? Agenouillée devant. On va couper là. S'il te plaît. Je sais qu'on entend moins, il est à l'envers. S'il te plaît. C'est inoffensif. Regardez, tu sais la petite antenne. Serge, encore trop. Tu as entendu oui, non? Ouais. Pourquoi Serge? Moi, j'ai entendu un Serge. Pourquoi? Il n'est pas un Serge. Je ne sais pas, c'est un, mais il est mort. Bah ouais, bah justement. Ouais. Serge, c'est toi qui es là? Serge, si tu es là, touche l'antenne pour montrer ta présence. On nous fait aller le cadeau là-bas. Nanette. J'ai entendu Nanette. Moi aussi. Tu as quelque chose à me dire, mon Serge? Voilà les amis, c'est à ce moment-là que nous décidons d'arrêter l'enquête
pour passer à la dernière phase, la purification de cet appartement. Comme vous avez pu le constater durant cette enquête, ça a été très calme. Voici maintenant une petite galerie photo que nous avons pris durant l'enquête avec de très belles orbes. J'espère qu'après cette purification que va procéder Luigi et Jonathan, les mauvaises énergies partiront là où elles doivent aller. Les amis, j'espère que cette enquête vous aura plu. À très bientôt et pour de nouvelles aventures. Bisous à vous et que l'amour et la paix soient avec vous.